Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session. Voilà, on va essayer d'aller choper quelques bars, quelques poissons en estuaire. On est en début de saison, il y en a quelques-uns d'actifs en ce moment, il va falloir tomber dessus. Je vais commencer avec la session avec un petit super spindle, coloris Wakazaki, parce qu'il y a du soleil. Il est un peu transparent et tout, donc je pense que ça peut être pas mal qu'il laisse passer les rayons du soleil. On va tester tout ça, allez c'est parti. Ah, c'est vraiment le coloris qui est vraiment pas mal parce que l'eau est un peu trouble en même temps, donc c'est parfait. Oh, la cartouche. Poisson. Ça a payé, super spindle. Ça doit être un petit poisson je pense, mais ça fait plaisir. Et oui, un petit bar au super spindle, ça a payé. Touche très discrète, merci la Tenryu. C'est super ça. C'est superbe. Quel régal. Hop. Et voilà. C'est pendu, yes! Voilà, j'ai les poissons. Vous pouvez voir, c'est magnifique ça. Allez, vas-y mon petit coco. Ça fait plaisir ça les gars. Ça fait vraiment plaisir. Je viens à peine d'arriver. Quelques lancers. Et donc déjà j'ai une bonne information sur
le coloris qui voulait bien, je me suis douté avec le soleil et je savais que l'eau allait être un peu teintée comme ça. En début de saison, elle est souvent teintée ici. Enfin, pas totalement translucide, elle est un tout petit peu teintée, genre des petites particules en suspension. On continue et on va voir ce que ça donne. On avance un petit peu. Bon, par contre, le vent là est froid là. Waouh, sur les mains ça pique. Waouh, waouh, waouh. Voilà, j'ai pêché à peu près toute la zone qui m'intéressait à pêcher, à gratter. Voilà où les poissons ont plus de chances d'être au fond. Maintenant, je vais attaquer une zone. En fait, les poissons, ils sont souvent postés soit entre deux eaux, soit au fond, mais ils n'hésitent pas à venir chercher les leurres en linéaire parce qu'il y a un peu moins de profondeur. Donc là, on va passer sur un leurre. Vu que l'eau, elle est assez teintée, je vais me mettre un leurre qui fait de la vibration. Un truc qui bouge bien de l'eau tout en restant à peu près dans l'esprit à peu près lançon, un petit peu kaki wakazaki. Je vais passer sur ça. Sur. Ouais, ça me paraît pas mal ça. Ça fait pas mal de vibrations en plus. Voilà, on va passer sur ça. Tini Sayori. Voilà, tout simplement, ça m'avait bien réussi en plus sur ce spot. Avec cette pêche en plus là, une pêche linéaire. On prend contact avec le fond, enfin linéaire ou même depuis la surface. Donc on va essayer tout ça. Voilà, super leurre. Là, il est bien réaliste, il fait des belles vibrations. Il a un beau rolling. Je pense que ça devrait faire le taf en linéaire. Soit en partant du fond, soit, comme j'ai dit, dès que ça tape la surface, on mouline. Le seul problème, c'est qu'il se lance pas très loin. Parce qu'il a beaucoup de prise au vent. C'est trop avancé parce qu'après on voit mon ombre et ça c'est pas ouf. Allez, on va voir ce qu'il peut nous donner cela. Je vais tenter de le faire couler un peu au fond là. On va bien voir ce que ça donne. Poisson. Ah, décroché, merde. En tout cas, ça avait bien marché, hein, linéaire au fond. Ça avait bien marché. Linéaire assez long, en plus ça devait être assez joli. On va réessayer. Et je l'ai piqué, donc ça me paraît mal barré. Ah, merde. C'est un beau poisson, je pense. Sur un linéaire assez long. Bon bah voilà les gars, il y aura malheureusement pas de poisson pour l'instant sur ce spot. Il y a beaucoup de vent, le vent s'est levé, j'ai les mains très très froides, donc je vais essayer de bouger, je vais essayer de changer de coin. On va voir ce que ça peut donner. Voilà, je vais essayer de trouver un coin à l'abri du vent et un coin où je pense que je peux faire du poisson. Allez, on se retrouve.
Et voilà, c'est une fin de session les amis. Bah, j'aurais fait un poisson, un seul poisson, mais bon, c'est en début de saison. C'est mon deuxième poisson de la saison, donc je suis vraiment heureux. Il commence à arriver tout doucement là, on est le 12 avril au moment où je tourne cette vidéo. Il commence à arriver tout doucement, donc on va les laisser arriver tranquillement. Et je pense que d'ici 2-3 semaines, ça sera bien, ils seront déjà bien là, bien présents. Je vais essayer de pêcher en bord de mer plus souvent pour essayer d'en taper, surtout en début de saison. Ils peuvent être plus nombreux en bord de mer plutôt que dans l'estuaire et être rentrés aussi loin. Et puis bah voilà. J'espère que ça vous aura plu, même si avec un poisson. J'essaie de faire des petits plans sympas pour changer d'habitude. Et puis voilà. Et puis la qualité avec la nouvelle caméra, je pense que ça doit se ressentir. Moi je le ressens quand je monte la vidéo, je vois que la qualité est vraiment différente. Mon rendu prend 3 fois plus de temps à se faire parce que j'augmente la qualité. Donc c'est normal. Mais j'espère que ça vous plaît en tout cas. Donc voilà. J'aurais fait un petit poisson, ça fait plaisir. Un petit poisson de 30-35, donc ça fait plaisir. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et ensuite à commenter. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter, vous pouvez me poser une question. Et sinon, si vous avez des remarques sur la vidéo. Et si vous avez des questions sur mon matos, tout est en description. Les leurres utilisées et la canne, le moulinet, la tresse. Tout ça. Bon, allez, je vous remercie d'avoir regardé. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.